Et bonjour à tous et bienvenue dans le 82e épisode de notre let's play interminable sur Assassin's Creed Odyssey pour le 100%, bien sûr, on continue, hein, c'est ce qu'on veut. Et la fois dernière, on avait été un demi-dieu, hein, parce qu'on a eu niveau 50, mais surtout, on a fait des petites quêtes, etc. Et qui va nous mener ici. Mais la grotte là, je l'ai déjà fait. Toutes les caches qu'on avait vues. Donc, est-ce que les autres sont revenus et voilà, ou est-ce que ils sont pas revenus et on n'a rien à faire. Mais les caches, elles étaient vides. Hein. Ah non, je suis sur une île. Ok, on n'avait pas fait encore. On va quand même. Ça a l'air d'être là. Enfin, la cage, on l'a déjà fait. Donc, tout ça, en vrai, on n'a même pas besoin d'aller buter. On n'a pas besoin, mais est-ce qu'on aime bien? Oui. Ah, de toute façon, on a quand même ici à buter. Ok. La musclore là. Tu n'en as. Mais tu vas crever, oui. Toi aussi. On doit quand même te libérer, toi. On sait où est-ce qu'on doit aller, hein. Tu m'as sauvé la vie, Mistios. J'ai à jamais une dette pour toi. Que les cadavres sont toujours là. Mieux vaut éviter de se faire voir. En théorie, normalement, il n'y a plus personne. On a fait la quête en fait avant de faire la quête. Là, je parie qu'ils sont à gauche. Il y a des cages. Et la fois dernière, j'ai failli me faire la réflexion en disant, bah, les cages, ils sont vides. Enfin, est-ce qu'ils étaient vraiment vides? J'ai pas regardé ceci. Ouais, ils sont plutôt morts. Ouais. Aide-nous, par pitié. Où il était pas là il y a 2 secondes. Il était pas là il y a 2 secondes. Non, 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 pas ça. Oui, libre. Je l'oublierai pas, Mistios. Accompagné hors de la grotte. Bon, en même temps, ça va, hein. C'est pas compliqué. Hein. Bah, j'étais pas tout à l'heure. Hein. Bon, je dis tout à l'heure parce que moi je tournais ça à la suite, mais il était pas là. L'autre coup, il était pas là. Hein. C'est mort. On va le laisser, on s'en fout. J'espère que ces maudits idéalistes ne vont pas mettre ma maison à sac. Wow! Mistios, par ici! Le tonique l'a rendu fou! Bah ouais? Bah, je m'en occupe, hein, c'est pas un problème, mais. Jamais, hein. Mistios, Zeus soit loué. Il allait me tuer. C'est ta faute. Ces prisonniers, ils ont déjà bu le tonique. Ah, c'est bien possible. Le médecin a dû venir le leur administrer. Un seul a mal réagi. L'autre a l'air de pouvoir encore s'en sortir. Alors il reste de l'espoir pour Néleus. Tout ça m'a l'air d'être un repère très bien défendu. Le culte est mieux équipé et organisé que je ne le pensais.
Ouais, on va mettre ça. Cette fois, nous avons eu de la chance. Qui sait ce qui est arrivé aux autres élèves? Les membres du culte doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Il faut passer aux représailles. Oula, apparemment, tu as une idée. Nous devons attaquer sa vieille place forte, Mystios. Si tu mènes la charge, nous tuerons le général des gardes du culte. Nous lui infligerons une défaite écrasante qui résonnera dans tout le monde grec. Tu veux surtout que je te débarrasse de ce général que tu as trahi? Un heureux hasard, c'est tout. Dis-moi plus sur ce général. Ce Malaka m'a obligé à prendre part à tout ça. Il commande les gardes d'élite du culte. Et on raconte qu'il a décapité 8 hommes d'un seul coup de son arme longue. Ouais. Cette ancienne place forte, où se trouve-t-elle exactement? C'est une imposante construction, édifiée sur Lemnos. Il paraît que le bateau est le meilleur moyen de s'y rendre. J'ai déjà fait cette place forte. Au moins, je sais maintenant que Néléus a plus qu'un simple rhume. Il faut que j'en avertisse Mykos. Tout ça est ta faute. Alors veille à ce que ses élèves rentrent sans encombre. Entendu. J'espère bien. Il a eu peur, hein. Ouais. Quête terminée. Donc sur Lemnos, on retourne sur l'autre île. Et là, on est sur Talos. Ça doit être... Lemnos est là. Faut le temps que ça se mette en route. Ah, mais non, j'ai masqué tous les icônes. Lui a achevé. Ouais, les photos, on s'en fout. Hein. Les photos, on s'en fout. Photo d'amis, aucune photo. Ah, quelque chose me dit que c'est toi. Ah, place forte, ça doit être là. Hein. Vieille place forte. C'est ça, c'est sûr. Comme par hasard, il y a lui. C'est un membre du culte, c'est sûr. Bon, on doit aller où? Tant que j'y suis dans mon truc là. Icône, lieu, achevé. Ouais, ben on continue. On va aller là. On continue l'île. Ça fait plaisir. En plus, c'est bien, c'est pour un membre du culte également, donc... dans un sens. Les deux, c'est bien. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on va passer dans la ville. On va enfin pouvoir... voir la ville. On dirait vraiment le logo Stark. Tu retires la tête, tu remets le truc, c'est même le logo Stark. Dans Game of Thrones. Bon, je sais pas ce que je dois chercher ici. Ok. Il y a un truc à piller. Alors c'est ainsi qu'on a montré Théagène le champion. Préservé pour l'éternité, assis sur ses fesses. Alors c'est Sparte ici donc... Attends-toi à souffrir. Et ciao. Je prends ce coffre. Parfait. Ah, niveau 51. Ça va être trop bien. Donc ça se fait. Au passage. On va aller ici. On continue notre petite visite culturelle de la ville. Donc là, on a fait un petit temple. On l'a bien visité. On a pillé quelques trucs. Mais... Gymnase. Ça doit être là-dedans le truc. Voilà. Ouais. Ok, là c'est un gymnase, pourquoi pas. Ah, par contre, mine de rien, notre ami, le truc là.
Il est pas très gentil aussi, le médecin, là. Donc, faudra quand même se méfier du médecin. On va aller ici. Hop, ça pourra la quête. Je fais ça, puis je fais la quête. Ce doit être Théagène, le fondateur de cette école. Là, j'irai voir plus tard. Entrepôt militaire. On va ici d'avoir des trucs. Ouais, des trucs à brûler. Quelques soldats. Un tchac, ça va. N'espère aucune pitié. Ah, plus de bouclier, toi. Tu dégages. Là, c'est des petits hommes de main. Qu'est-ce que tu cherches à arriver ? Je vais te tuer très lentement. Hop, le bouclier. Ok. À terre. On va reculer un petit peu. Ok. On va voir ce que toi tu vaux. Parfait. Meurs. Parfait. Maintenant, on va brûler ça. D'abord, on va le piller. Si après on peut brûler, ça fera des flèches. Et ça, on récupère. Une hache. Niveau 50, mais en vrai, on s'en fout. Niveau 52, mais on peut pas l'utiliser. Mais ça fait de l'XP. Ça fait de l'XP tout ça. Alors ça c'est fait. Bah il reste plus grand chose. Bah comme lieu. Mais le reste un, on va le faire. On va faire le dernier lieu. Et ainsi après on verra les quêtes. En vrai je pense qu'on a quasiment fini Tassos. C'est bien, c'est une île un peu différente, c'est une île un peu plus sportive. Tout ça, c'est sympa. J'aime bien. Voilà, ça doit être une maison ou un truc comme ça. On commence à connaître maintenant, hein, au bout de 82 épisodes. C'est un petit peu normal. Voilà. Bureau d'impôt. Deux coffres. C'est quoi qu'il faut faire? Deux coffres et un ravitaillement. Ah bah je les ai. On va quand même te tuer. On va quand même tuer tout le monde. Tu tiens toujours. À l'avenir, essayez d'être concentré. La prochaine fois. Ouais.
Voilà, on a fait un coffre. On va payer la prime. En fait, il est juste devant, donc j'aurais plutôt envie de ne pas l'avoir. Hein. Je suis pas là. Il est où le coffre? Hop, on fonce sur toi. T'as déjà plus ton bouclier. À terre. Ça et comme ça, voilà. Maintenant on va aller faire le coffre et on a terminé. Pas difficile hein. Franchement, faut pas de quoi y parler hein. Bon, l'île on a terminé, en tout cas tout ce qui était collectable on a fini hein. Mais bon, on a encore les quêtes à faire, on va aider les quêtes. Okay. Ça considère aussi les quêtes pour moi. Donc. Sauf si on a une quête, on doit revenir dessus, mais ça, c'est la quête qui fait revenir dessus. Comme par exemple, à Lemnos. On va retourner à Lemnos. Mais je l'ai pas noté qu'elle était finie, mais. Voilà. On va d'abord aller voir toi. Une statue. Ok, je vais garder la quête parce que elle me. Bon, elle devrait être à 4 mètres. Statue. Trouver en intégralité le symbole sur la statue. De... Ouais, je veux bien. Attendez. Ouais, et comment je fais? Trouvons l'intégralité et le truc de la statue, je veux bien. Alors. Selon Fida, une autre statue de la liste devant mener Alexios à Tassos. Et il devait y trouver un symbole caché sur la statue. Ok, objectif actuel. Trouver et... interagir avec le symbole sur la statue. Ok, ouais. Apparemment je dois interagir sur la statue. Ah, interagir. Ah oui, il y avait un petit symbole Stark là. Enfin, Stark. On se comprend, hein. Mais il y avait un petit symbole. Ok. Ben voilà, maintenant on va retourner là-bas. On va aller voir ce que toi tu nous dis. On va regarder vite fait un petit peu. Hein. On est seulement qu'à 19 minutes. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose là-bas. Idiot, je vais revenir. Vous ne pourrez pas me chasser éternellement. Je réussirai à entrer. Tu as l'air fort. Tu peux m'aider? Ça dépend de ce que tu veux. Des informations. Solon, mon frère,
a disparu depuis des décades. Personne ne m'écoute. Ils disent qu'il est parti. Mais il ne m'aurait pas laissé seule. Non, il sait que je déteste rester seule. La dernière fois qu'on l'a vu, il s'entraînait dans cette école. Je suis sûre qu'il y a un lien avec sa disparition. Dis, tu m'aides à découvrir ce qui lui est arrivé. Je vais voir ce que je peux découvrir. Tu es plus gentil que tu en as l'air. Merci. Ne me remercie pas encore. Je fais payer cher mes services. Quoi ? Tu demanderais de l'argent à une enfant ? Non. Ce n'est pas nécessaire. Je pense qu'on devrait pouvoir s'entendre. Je ne suis pas riche, mais je te donnerai tout ce que j'ai. Non. Alors ça ira. Je pense que l'entraîneur pourrait savoir des choses sur la disparition de mon frère. Mais méfie-toi. Il paraît qu'il peut tuer une chimère avec ses poings. Ou alors, il ressemble à une chimère avec des poings. En tout cas, il vaut mieux éviter de chercher la bagarre. Je ne la cherche pas. C'est elle qui me trouve. Pourquoi autant de jeunes athlètes s'entraînent-ils dans cette école ? Tu n'as jamais entendu parler de cet endroit ? Cette école a fait la renommée de Thasos. Elle a été fondée par Théagène, le célèbre champion olympique. Beaucoup d'autres athlètes, comme mon frère, s'entraînent ici dans l'espoir de devenir champion. Ok. Ton frère a sûrement disparu depuis longtemps. Des décades. De lui-même, il ne m'aurait jamais laissé seule si longtemps. Il se vantait à propos de ses futures aventures et victoires olympiques. Il disait toujours qu'il ferait de moi la sœur la plus fière de tout le monde grec. Mais ça ne risque pas d'arriver puisqu'il n'est plus là. Ok. Je vais découvrir ce qui est arrivé à ton frère. Dépêche-toi. C'est trop calme par ici sans lui. On dirait que Mikos avait raison. Il se trame quelque chose ici. J'en aurai le cœur net. Allez hop, on s'en occupe. Ouais, lui il va me l'air bizarre quand j'ai passé tout à l'heure. On va s'en occuper. Si tu viens pour t'inscrire dans mon école, je crois que tu as 10 ans de retard. Dommage. Tu dois être celui qui entraîne ces athlètes. Hein ? Tu ne sais pas qui je suis ? Eutymos, maître entraîneur olympique. Grâce à mes enseignements, mes élèves s'emparent de la victoire aussi facilement que Théagène a pris la statue de bronze de Thasos. Tout le monde sait qui je suis. Hein ? Je n'ai jamais entendu parler de toi. Qui ? Je n'avais encore jamais entendu ce nom. Alors tu dois être sourd comme un pot ! J'ai entendu autre chose aussi. En particulier, que certains de tes élèves disparaissent. Disparaissent ? C'est faux ! Mes élèves sont des champions ! Ils volent sans cesse vers l'aventure ! Sous mon aile, ils s'élèvent au-dessus des sommets, tels de bouillants Pégases ! Tu te souviens d'un ancien élève du nom de Solon ? Tu crois pouvoir te montrer ainsi dans mon école et poser des questions comme un esclave insolent ? Je vais t'étriper, moi, oui ? Je veux savoir s'il y a un lien entre ton école et les disparitions. Un lien ? Ah ! Tu dis n'importe quoi ! Ici, on se bat, on transpire et on saigne. Les seules choses qui disparaissent d'ici sont les faiblesses du cœur et du corps. Et si nous voyions lequel des deux est le plus fort ? Je n'ai pas l'habitude de gâcher mon temps ou mon talent avec des moins que rien. Tu cherches surtout à éviter le combat. Je suis insensible aux provocations, Mystios. Oh, ton visage me dit quelque chose. Je te reconnais ! Tu étais aux Jeux Olympiques ! Tu es le champion, j'en suis sûr. Oui, c'est bien le champion olympique que tu vois. Reprenez l'entraînement. Tu es incroyable. Dis-nous ce qu'il faut faire pour devenir un vrai champion. On y était, hein. Une pause qui impose. Non, allez. Tout le monde peut devenir champion, mais cela réclame beaucoup de travail et un véritable engagement.
C'est ce que je dis toujours. Alors un champion olympique vient dans mon école, me vole la vedette et ose me défier, moi, le grand Eutymos. Le grand Eutymos accepte-t-il ce défi? Ou a-t-il trop peur? Essaie d'abord de venir à bout de mes élèves. On va voir si tu es aussi fort que tu le dis. Dans la mesure où je suis champion olympique, ce serait plutôt à moi d'entraîner tes élèves. Ils me trouveraient sûrement plus qualifié. Qualifié? Tu oses mettre en doute mon poste? Tu as le courage d'un lion, Mystios. Mais tu vas te faire saigner comme une chèvre. Prépare-toi à m'affronter comme le champion que tu prétends être. Cool. Fidèle élève, ce Mystios ose me défier, moi, le grand Eutymos, dans ma... notre école. C'est ta dernière chance, Mystios. Nous en resterons là si tu décides de partir. Tu vas arrêter de parler, oui? Nous allons voir ce que tu vaux, alors. Hein? Nous allons nous battre en champion. Ah, on n'a pas les l'arc. Un jeu d'enfant. Ouais, tu m'étonnes. On va même pas toucher une fois. Ma mère frappe plus fort. C'est tout ce que tu veux, champion. Tout à la puissance de mes élèves. Tu ne battras pas notre maître, Mystios. Pour le maître. Sors de notre école! Ma fierté! Trouvez-moi votre loyauté! Allez! En vrai, ils font chier eux. J'avais buté, je l'avais battu. Je l'avais battu, il était mort. Je vois pas pourquoi ils sont venus s'en mêler. Hein. Donc, ouais, en plus, on peut pas avoir l'arc et tout, donc c'est un peu chiant. Ça va, en vrai. Lui, il est pas compliqué, c'est juste les deux autres qui viennent, ils sont aussi forts que lui. Rien à comprendre. Rien à comprendre parce que bah, il devrait être plus faible. On dirait que Mikos avait raison. Oh, on se trame quelque chose ici. J'en aurais le cœur net. Oh non, j'ai recommencé toute la cinématique. Oh, c'est chiant. Allez, on y va. Si tu viens pour t'inscrire dans mon école, je crois que tu as 10 ans de retard. Dommage. Tu dois être celui qui entraîne ces athlètes. Tu ne sais pas qui je suis? Eutymos, maître entraîneur olympique. Grâce à mes enseignements, mes élèves s'emparent de la victoire aussi facilement que Théagène a pris la statue de bronze de Thasos. Tout le monde sait qui je suis. Qui? Je n'avais encore jamais entendu ce nom. Alors tu dois être sourd comme un pot. J'ai entendu autre chose aussi. En particulier, que certains de tes élèves disparaissent. Disparaissent? C'est faux. Mes élèves sont des champions. Ils volent sans cesse vers l'aventure. Sous mon aile, ils s'élèvent au-dessus des sommets, tels de bouillants Pégase. Tu te souviens d'un ancien élève du nom de Solon? Tu crois pouvoir te montrer ainsi dans mon école et poser des questions comme un esclave insolent? Je vais t'étriper, moi, oui.
pas si je t'arrache les réponses à coups de lame. Ah ! Tu sais parler. J'en ai presque peur. Et si nous voyions lequel des deux est le plus fort ? Je n'ai pas l'habitude de gâcher mon temps ou mon talent avec des moins que rien. Tu cherches surtout à éviter le combat. Je suis insensible aux provocations, Mystios. Oh, ton visage me dit quelque chose. Je te reconnais. Tu étais aux Jeux Olympiques. Tu es le champion, j'en suis sûr. Oui, c'est bien le champion olympique que tu vois. Reprenez l'entraînement. Tu es incroyable. Dis-nous ce qu'il faut faire pour devenir un vrai champion. Tout le monde peut devenir champion. Mais cela réclame beaucoup de travail. Et un véritable engagement. C'est ce que je dis toujours. Alors un champion olympique vient dans mon école, me vole la vedette, et ose me défier, moi, le grand Eutymos. Le grand Eutymos accepte-t-il ce défi? Ou a-t-il trop peur? Peur? Oh, oh, oh. Essaie d'abord de venir à bout de mes élèves. On va voir si tu es aussi fort que tu le dis. Pourquoi pas? Voyons ce que valent tes élèves. Oh, attention! Il paraît que les guérisseurs sont très occupés ces temps-ci. Ils trouveront bien un moment pour soigner de jeunes gens. Ne frappez pas trop fort! Mystios pourrait te faire. On va faire ce combat, hein, si tu fais. Hop. Peut-être qu'il sera peut-être pas là. C'est tout ce que tu sais faire. Boum. Je vais t'embrocher. Ok, dégage. Oh, c'est beau ça. Ah, je peux pas sortir moi. Faut qu'ils viennent. Le destin ne veut plus. Parfait. Bon, moi, ça change un peu. Oh, 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 pas mal. Même mes meilleurs élèves ne peuvent rien contre toi. L'échauffement est terminé. Oh, quelle ardeur! Approche si tu l'oses! Affronte-moi comme un vrai guerrier dans notre arène! Oh, 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 oh. Je vais tâcher de ne pas te briser tous les os. Ok. Est-ce que tu vas être tout seul? Ou pas? Non, je suis encore d'accord avec tes potes. Ce Mystios ose me défier, moi, le grand Eutymos, dans ma... notre école. C'est ta dernière chance, Mystios. Nous en resterons là si tu décides de partir. Tu vas arrêter de parler, oui. Nous allons voir ce que tu vaux, alors. Hein? Nous allons nous battre en champion. Un jeu d'enfant. Comment oses-tu me défier? Ma mère frappe plus fort. C'est tout ce que tu as, champion. Tout à la puissance de mes élèves. Tu ne battras pas notre maître, Mystios. Pour le maître.
Tu es faible. Sors de notre école. Ma fierté. Prouvez-moi votre loyauté. Ok, on va pouvoir combattre. Là, chiant. Bon, ok. Je vous retrouve dès que j'ai réussi. Ce combat. Un jeu d'enfant. Comment oses-tu me défier? Ma mère frappe plus fort. C'est tout ce que tu veux, champion. Je n'ai pas dit. Tout à la puissance de mes genèves. Tu ne battras pas notre maître, Mistios. Pour le maître. Tu es faible, sors de notre école. Prouvez-moi votre loyauté. Et voilà. On l'essaie juste après. Les gars, j'ai réussi. Donc j'ai fait une petite ellipse, mais en vrai j'ai même pas fait d'ellipse, j'ai juste fait une coupure et j'ai laissé le combat. Hein. C'est bon. D'accord, je m'incline. Oh, tu as réduit à néant ma renommée. Comment vais-je trouver des élèves maintenant? C'est ton orgueil, le fautif. Je n'y suis pour rien. Nous n'avons rien à apprendre d'un maître déchu. Certains d'entre nous veulent suivre tes traces, Mistios. On peut venir avec toi? Quelques bons guerriers me seraient utiles. Parfait. Oh, ça alors! On va devenir des guerriers! D'accord. Tu as gagné. Tu as mérité que je te dise ce que je sais. Tenir une école de ce genre coûte cher. Mais un homme riche nous donne beaucoup d'argent pour qu'elle reste ouverte. Il vient de temps à autre en pestant le vin, souvent en compagnie d'hommes étranges. J'imagine qu'ils ne viennent pas pour admirer les lieux,
J'ai remarqué qu'il s'intéressait de près à mes meilleurs athlètes. Ceux qui se montrent les plus doués. Il les observe avec attention. Solon était l'un d'eux. Oui. C'était l'un de mes meilleurs élèves, avec un autre appelé Néléus. C'étaient de grands amis et d'excellents athlètes. Ils ont cessé de venir à l'école peu après la venue de ces hommes. Je crains qu'il leur soit arrivé quelque chose. Mais tu ne fais rien ? Alors même que tu sais parfaitement que quelque chose se trame ? Cet homme a de puissants alliés et de l'influence. J'ai tenté de faire quelque chose, Mistios. J'ai posé des questions et on m'a dit d'arrêter, pour mon bien et celui de mes élèves. Je suis bien obligé de reconnaître que je ne peux rien faire. Il vaut mieux que tu restes ici et que tu ne t'en mêles pas. Je vais m'occuper de ça. Oh, je regrette de ne pouvoir t'aider. J'ai tout entendu. Comment tu peux rester là alors qu'on emmène tes élèves? Tout ça pour de l'argent? Comment es-tu entré ici? C'est ta fille? Il n'y a pas pire que les gens comme toi. Je ne peux pas compter sur toi, ni sur personne. Je vais aller sauver mon frère. Son frère? Par Zeus, qu'est-ce que j'ai fait? Solon et d'autres ont disparu. Peut-être Néléus allait-il être le suivant. Il faut que j'en avertisse, Mikos. Ok. Je retourne voir le médecin pour l'antidote. Eh ben, on a pas mal de choses qui ont été faites. J'espère que cette vidéo vous a plu, qui est terminée, trop bien. Vous a plu, moi en tout cas c'était sympa. Combat assez épique, même si j'ai fait que 3 fois, en vrai, je pensais le faire plus, mais ça a été. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye bye.